Bonjour, c'est Christophe Weger de réussirdanscinéma.com. Je vous donne des nouvelles pour le tournage de Jolie Julie. Premier jour de tournage qui s'est très bien passé, n'est-ce pas les amis? Ouais! Alors, vous êtes content de cette première journée? Ouais! Vous revenez demain? Ouais! Voilà, c'était vraiment très sympa. Beaucoup de stress pour commencer, hein, bien sûr. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, finalement, on a fait les choses étape par étape. Voilà, Kylian est venu, Maurice Ratti est venu, Eric Jaminot est venu avec Anthony. Anthony comment déjà? Virendels, voilà. Et c'est un jeune garçon, il est très prometteur. J'ai vu des vidéos de lui, c'est terrible. Alors, Catalina, la scénariste du film. Bravo Catalina, on peut l'applaudir. Marianne Cissé, qui est aussi une abonnée de réussirdanscinéma.com, qui était venue à mon après-midi de rencontre l'année passée, en 2015, avec Elsa notamment, avec Catalina qui était venue aussi. Et voilà, merci à tout le monde. Merci aussi à Adeline. Adeline, qui revient spécialement de Paris, de la France. Bon, pas rien que pour ça, mais pour revenir en Belgique. Et dans la foulée, elle en a profité pour faire une figuration dans un film. Voilà, donc ça c'était sympa. Merci à Sébastien, preneur de son, qui a participé activement au tournage. Alors Michel Meunier, un remerciement tout particulier à Michel Meunier qui s'est vraiment démené pour faire en sorte que cette journée soit un succès. Il a reçu tout le monde, il a abreuvé tout le monde, il a ostenté tout le monde aussi. Tout le monde a pu manger à sa faim grâce à lui. Il nous a beaucoup aidé sur l'intendance au niveau de manutention. Donc voilà, donc merci à Michel. On peut applaudir Michel pour son accueil. Oui, c'est vrai qu'un merci tout particulier à ma mère qui est qui pense de manière très pratique à certaines choses en disant mais oui mais il faut donner à manger à tous ces gens-là et tout, vous voyez. Donc voilà, elle m'a libéré un petit peu de certaines choses, bien que j'étais préoccupé par plein de choses concernant ce tournage. Finalement, ça s'est très bien passé. Donc merci à elle et merci à vous tous parce que la figuration c'est important, ça donne de la vie dans les scènes. Et aussi merci à Axel, qui vient spécialement de Charleroi, c'est ça, hein? Exactement. Ouais. Charleroi, qui est le deuxième cadreur du film. Bravo Axel, merci beaucoup à toi. Et tu reviens demain, alors? Exactement. Demain le 10, ok. Allez, j'oublie quelqu'un? Oui, Christine. Christine, merci à Christine qui a participé aussi au niveau figuration dans le film. Et puis sa copine, qui s'appelle? Sonia. Qui s'appelle Sonia. C'est la première expérience de figuration? Ben voilà, si tu n'es pas trop dégoûté, ben tu es bienvenu demain pour le 10. Okay. Donc voilà, à bientôt. Merci à tous. Et pour l'équipe, hip hip hip. Oula ouais. Et nous ben enfin. Ah oui, c'est vrai. Elsa. Parce que, ils sont assis, comme ils ne sont pas bien grands, mais ils sont assis. Donc je ne sais pas. Non, ça va. Non, je rigole. Et Nicolas Cardu, qui est très... très, très super cool, c'est bien. C'est vraiment sympa quand il est là. Et on a fait des belles scènes avec lui, avec Elsa. Et il a une petite apparition dans le long métrage Papillon Noir. Voilà, long métrage qui est allé au BIF cette année. Donc bravo, bravo Nicolas. Voilà, pour Nicolas, hip hip hip. Et on peut l'applaudir aussi. Voilà. Merci à Elsa aussi qui a été partie prenante pour ce film et depuis le début pour le rôle de Julie et qui a fait une Julie magnifique dans le film. D'ailleurs, vous pourrez vous en rendre compte quand on partagera avec vous la bande-annonce et l'évolution du projet au niveau montage et au niveau, enfin, chaque étape de ce film. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et on applaudit tous. Ouais. On applaudit tous pour les abonnés de réussirdanscinéma.com. Voilà, ciao ciao. Pour ceux qui veulent faire du cinéma, ben inscrivez-vous à Réussir dans le cinéma et venez faire des films avec nous, tout simplement. Ciao ciao, au revoir.